pour la liste des 23, des 23 joueurs sélectionnés pour les matchs FIFA. Il s'agit de Alagbe Kassif Satuné, Farouk Moussa Loukman, Obasa Adébiyi Marcel Serge, Assogba Youssouf, Shaouna Chamsdil, Bemaitor Florentin Segla, Ntondji Cédric, Kiki David, Roche Yohan, Tidjane Mohamed, Védon Olivier, Adeoti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Sessi, Olaitan Junior, Seseyon Stéphane, Agemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésus, Dossou Jodel, Soukou Sébio et Tosin Ayégon. Voilà la liste des 23 sélectionnés pour les matchs du Maroc. Vous savez, Stéphane, c'est un joueur vraiment professionnel. Il s'entraîne depuis longtemps. Et là, maintenant, il a eu quelques minutes dans son club, là où il a signé. Donc, c'est déjà positif pour moi de le voir jouer déjà, monter sur le terrain. Le reste, tout le monde connaît ses séances, de quoi il est capable, dès qu'il sera physiquement au point. On sait de quoi il est capable et puis voilà. On aura tout le temps devant nous pour les deux matchs là et pour le voir. Vous savez, Alagbe, il est plus expérimenté dans le groupe. Dès qu'on prend Alagbe aujourd'hui, comparé à tous les gardiens qu'on a au Bénin. Si on le compare, je pense que c'est toujours le numéro un. C'est toujours lui qui est devant. Et pourquoi, avec tout ce qu'il a comme expérience, et le laisser directement? Pourquoi pas que les jeunes soient à côté de lui et apprendre? Je pense que l'amener pour moi, c'est que ceux qui sont derrière l'avenir du Bénin, en tant que gardien, ils vont apprendre de ce monsieur. Dandjou, on le connaît très bien. On sait que c'est un bon gardien. On sait de quoi il est capable. La porte, elle est ouverte. Dandjou, il va revenir. Juste, ces matchs-là, c'est des matchs amicaux. Et Bemaitor, c'est un gaucher. Et Kiki qui est là, il a besoin de doublure. Aujourd'hui, si on voit sur localement, Bemaitor, je pense qu'il est devant. Peut-être si vous avez quelqu'un d'autre qui le dépasse. Et sur le côté droit, Shaouna, il est là il y a longtemps avec Michel. Même au Togo, il avait joué en tant que latéral. Aujourd'hui, il joue au milieu de terrain. Ça, c'est un de plus pour moi, qui joue en tant que milieu de terrain et latéral. Donc, il peut beaucoup apporter. Et l'éliminatoire du Chan qu'on avait joué, je pense qu'il a fait un très bon boulot. Et puis, pourquoi pas lui donner la chance? C'est un gars qui est grand de taille, qui a tout ce qu'il faut pour devenir meilleur. Vous savez, aujourd'hui, les sélectionneurs travaillent avec les agents FIFA. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus organiser un match sans passer par ces gars-là. Donc, c'est eux, vous allez dire à peu près
les gens de match que vous voulez avoir. Donc, c'est ces gars-là qui organisent, ces agents FIFA qui organisent les matchs-là pour vous, pour que vous jouiez. Sinon, nous, on n'a pas dit c'est tel ou tel. Non. On donne notre critère et puis c'est les agents FIFA qui nous cherchent ça. Oui, il va avoir sa chance. Et maintenant, pour Tidjani, de montrer de quoi il est capable. Et effectivement, il va jouer en défense, il va jouer derrière. Faut il faut qu'il montre au Béninois de quoi il est capable. Et l'autre jour, en l'envoyant devant, c'est parce qu'on perdait le match et puis on a besoin des gens devant plus grands et que je l'avais mis devant. Il va jouer, il va jouer. Pas à trois. À trois, moi, j'aime pas trop aussi à jouer à trois derrière. Vous voyez, mais ça dépendra de l'entraînement que nous allons faire. Et puis, il faut aussi l'équipe qu'on veut rencontrer, si on va jouer à 3 ou bien à 4 derrière. Mais sinon, c'est le moment pour lui de montrer aux Béninois de quoi il est capable. Le niveau, est-ce qu'on n'a pas le niveau? Bien sûr qu'on a le niveau. On a le niveau. Il faut commencer quelque part. Et c'est ça qu'on a commencé. Donc, au fur et à mesure qu'on va jouer, je pense que ça va venir. On ne construit pas d'un seul jour, hein. Il faut aller doucement. Doucement, et puis on va y arriver. Soyons vraiment positifs. Si nous sommes positifs, on va arriver. Le football, tu gagnes ou bien tu perds. N'oublie pas. D'accord? C'est le contenu qu'il faut voir. C'est le contenu du match qu'il faut regarder. Ne regardons pas tout le temps le résultat. C'est vrai que ça compte, mais il faut regarder aussi le contenu. Pas satisfait parce qu'on a perdu. Le contenu, vous savez, quand vous prenez Buff par exemple, aujourd'hui, ils ont tout changé. C'est compliqué pour un entraîneur. Vous voyez? L'effectif qui avait joué le championnat, c'est pas et qui sont là aujourd'hui. Même le cas du Coton aussi, hein. Donc c'est un peu compliqué. Il faut regarder tous ces trucs-là pour juger. L'entraîneur ne peut pas, il peut rien faire. Il peut rien faire. L'équipe qui gagne, si vous regardez à sec aujourd'hui, c'est des gens qui sont tellement ensemble il y a longtemps. Très longtemps. Vous allez voir ça dans le jeu, comment ça joue. Donc voilà, c'est petit à petit. Nous sommes obligés d'apprendre et puis après ça va venir.